Alors nous profisons d'une petite pause dans ce JISD pour retrouver ici sur la place du Château d'Oignon Pierre Favre et David Béni. Un, un mot tout d'abord Pierre sur CITEC. Quelle est exactement la spécialité de votre bureau d'études Alors CITEC est un bureau spécialisé dans la planification des systèmes de transport qui est né il y a 25 ans aujourd'hui. Et donc c'est tous les systèmes de transport que ce soit à pied, à vélo, en train, en bus, en tram, en voiture et tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas exclusivement un bureau d'études suisse. Vous êtes présent ailleurs, à l'international. Effectivement, ça fait déjà depuis plus de dix ans qu'on s'est rapproché des clients et puis qu'on a souhaité avoir un ancrage local. Donc, on a effectivement des agences en Suisse romande, donc sur la partie francophone essentiellement, en France respectivement en Italie. David, vous, vous connaissez très bien Citec, je crois, avec qui Arc -Cité travaille depuis toujours, si je peux dire. Oui, on est un vieux couple, si j'ose dire ainsi, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on collabore ensemble, c'est-à-dire depuis la création d'ArcCité, avec toujours un petit peu le même mode de fonctionnement. À Citech, l'expertise métier et l'expression du besoin, et puis à ArcCité, la capacité à traduire cette expression en une solution ou un produit géomatique. Alors, si je vous interroge aujourd'hui, c'est que vous venez de réaliser un outil sur la cyclabilité des territoires, c'est Bike Survey. Déjà, dans quel contexte vous avez mené donc ensemble ce projet Alors, il est né en fait de, de plusieurs études et de, de plusieurs besoins de nos, nos collègues ingénieurs. On avait besoin, dans le cadre des plans directeurs vélo ou des visions directrices ou sectorielles vélo, de pouvoir disposer d'une certaine analyse il y a d'un autre côté beaucoup de normes, de recommandations, etc., à prendre en compte. et ce besoin, en fait, a fait naître le fait de pouvoir essayer d'automatiser quelque chose dans cette analyse. on a pris contact avec notre mari ou femme, le bureau d'Arcité pour essayer de voir de quelle manière est-ce qu'on pouvait faire ou imaginer ce projet ensemble. Alors, il y a un appel d'offres fédéral, mais au-delà, est-ce qu'il y a un intérêt en ce moment autour de ces sujets-là, comme il peut en exister par exemple en France où l'on voit de plus en plus de plans d'aménagement cyclable qui apparaissent Alors, oui, il y a clairement un intérêt et c'est pour cette raison aussi que suite à nos discussions, on a, on a répondu à un appel à projet, un appel à projet qui a été, qui a été retenu et donc cofinancé par la Confédération. Ça va au-delà de ce cofinancement, ça nous permet aussi d'avoir des, des, des collaborations et des discussions avec les experts vélos de la confédération. Ça, c'est un premier point euh, relativement important pour nous. Ensuite, effectivement, ce projet a pu, a pu se réaliser et être testé à différentes échelles. Euh, c'est ce qu'on va discuter un petit peu plus tard. Oui, effectivement, parce que euh, Bike Survey, ça permet de faire des analyses au long cours. Euh, il y a un cheminement à suivre et il y a trois étapes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, Pierre Effectivement, notre système est organisé en trois étapes. Alors, la, la première étape concerne les, les données de base. On a besoin d'avoir des données de base, typiquement euh, le gabarit d'une route, les typologies d'aménagement cyclable de cette route, euh, les questions de pente, les questions de part de trafic poids lourd, etc., etc. Ça, c'est la première étape. Euh, la deuxième étape qu'on qu nomme entre nous la, la machine à laver, c'est en fait un, un arbre décisionnel, un grand arbre décisionnel. Qui prend en compte ces différentes données de base et qui les analyse au regard des différentes normes et recommandations de cette de ces de ces, de cette cyclabilité finalement. Et puis il y a une troisième étape qui est l'affichage dont on va parler tout à l'heure. Et il y a également en fait euh, oui une, une carte interactive qui constitue donc la troisième étape. Effectivement. Alors cette troisième étape en fait euh, se, se compose de quelques sous étapes en fait on a on a, on a on a découpé le, le territoire en tronçons et en nœuds. Donc les tronçons de 10 mètres, c'est les tronçons de route. Les nœuds sont les carrefours. Pour avoir une continuité, il faut d'une part qu'on vérifie la cyclabilité des routes, d'autre part euh, des nœuds, donc des carrefours. Et on peut afficher, ou on a à l'écran, l'ensemble de ces tronçons du territoire étudié, respectivement l'ensemble des carrefours que l'on peut interroger. Donc ces carrefours sont en vert si la cyclabilité est vérifiée selon l'art décisionnel, en rouge si elle ne l'est pas vérifiée. Et puis on peut aller au-delà de, de ce diagnostic en fait. On peut cliquer sur chacun des tronçons, sur chacun des carrefours pour connaître le ou les données de base qui sont nécessaires d'être retravaillées pour passer le tronçon aujourd'hui en rouge en vert demain, respectivement, on peut aussi donner des priorités et euh, identifier les mesures qui sont nécessaires pour aller de l'avant et pour rendre le territoire étudié encore plus cyclable. Mmh. Oui, parce que ça, c'est donc la finalité, c'est euh, cette analyse-là, et ça permet d'alimenter euh, des plans vélos. Effectivement, c'est le besoin est né, euh, ou plutôt le projet est né de ce besoin, donc forcément que ça permet d'analyser et d'alimenter nos études euh, liées au plan vélo. David, à quel moment Arc cité est intervenu On reconnaît peut-être un petit peu votre marque de briques à, à travers les cartes interactives, mais ce n'est pas forcément que sur ce point-là que vous êtes intervenu. Non, effectivement, la, la carte interactive c'est la finalité, mais nous sommes intervenus sur toutes les phases. La première, le, le sourcing des données, trouver les données, essayer de les homogénéiser, de les manipuler, de les structurer pour pouvoir nourrir précisément la machine à laver ou le, le modèle telle que l'a décrit Pierre. Et puis comment convertir ce modèle avec ses différents paramètres en ce que nous on appelle un algorithme informatique. C'est précisément ici la deuxième phase où on a fait des, des géotraitements. Ces géotraitements donnent euh, des résultats sur la cyclabilité des tronçons. Quoi de mieux, Xavier, que de les représenter sur une carte interactive ou sur un dashboard qui permet au planificateur, à l'usager final, de pouvoir quantifier euh, les résultats. Et c'est finalement en fait un, un positionnement très en amont aussi que vous avez occupé là, euh, sur lesquels on ne vous, vous voit pas forcément toujours, mais c'est aussi votre expertise, chère cité. C'est vrai que tous les sites, applications web ou mobiles que l'on met à disposition du, du grand public nécessitent souvent en amont des données, et c'est précisément structurer des données, c'est les rendre performantes, les rendre faire en sorte que ces données soient sécurisées, pérennes, c'est tout le travail en amont qui est réalisé par nos experts géomaticiens qui sont un petit peu les personnes de l'ombre chez ArcCité, mais sont essentielles à la chaîne de valeur d'une solution ou d'un service ou d'un projet géomatique. Alors, à qui va s'adresser cet outil ou s'adresse déjà cet outil? Qui va l'utiliser et qui va consulter les résultats? Alors, cet outil s'adresse au, le public cible, en fait, c'est les ingénieurs ou les, ou les, nos clients, en fait, que ce soit une commune, une région, un canton, une agglomération, qui souhaitent Bénéficier de l'outil Bike Survey pour vérifier la cyclabilité et alimenter une étude liée au plan vélo. Vous, vous me parlez aussi de planificateurs ce sont eux qui vont pouvoir jouer un toupet avec, avec l'outil Alors, effectivement, ils ont accès au dashboard ils peuvent paramétrer certains éléments qu'on a jugé comme étant utiles à, à pouvoir paramétrer. Donc, ils peuvent jouer à cet outil, interroger la base aller vérifier quel tronçon est cyclable, quel ne l'est pas et pourquoi. C'est déjà fonctionnel quelque part en Suisse Alors oui, c'est déjà fonctionnel, c'est une exigence d'ailleurs de l'appel à projet de la Confédération, il faut que l'on utilise et qu'on mette en œuvre notre proposition à l'échelle d'un territoire donné. Donc il est effectivement en œuvre à l'échelle de la ville de Martigny sur laquelle justement on travaille pour leur plan cyclable depuis quelques années. Et il peut être transposé tel quel euh, ailleurs en Suisse C'est aussi un des objectifs de, de l'appel à projet de la Confédération. C'est d'ailleurs une obligation aussi. Il doit pouvoir être mutualisé et mis en œuvre sur d'autres territoires. Et c'est aussi dans ce sens que l'on a constitué notre, notre outil. On a bien sûr vérifié que les données de base disponibles sur le cas d'études de Martigny l'étaient aussi vis-à-vis euh, -vis de différents autres cantons ou communes partout ailleurs en Suisse. Donc un outil suisseau compatible, mais est-ce qu'il peut s'exporter ailleurs par exemple en france alors effectivement on a parlé que de la suisse pour l'instant parce que normes suisse recommandations suisse et puis appel à projet finalement à l'échelle suisse par contre euh, on a encore discuté pas plus tard qu'hier à l'interne de la direction l'objectif c'est effectivement de rendre aussi cet outil compatible pour nos études on a beaucoup d'études également en france sur la question du vélo euh, donc c'est aussi de rendre compatible cet outil donc l'outil finalement est, est le même on va devoir retravailler un petit peu l'art décisionnel ou la à laver parce qu'il y a certaines recommandations ou normes qui sont sensiblement différentes en françoisie. Très bien, ça s'appelle donc Bike Survey. Et si vous n'avez pas fait de présentation cet après-midi sur le JS Day, vous en avez fait en octobre lors du jeu événement. C'est une présentation qui est donc accessible via la plateforme mise en place par Esri France, donc pour SIG 2022. Merci encore, messieurs, pour votre participation à ce club SIG et à bientôt. Merci.